Bonjour à tous, welcome Indusia pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Aujourd'hui, on se retrouve pour récupérer les cartes de l'archiviste situées dans la jungle péruvienne. Elles sont au nombre de deux, et pour la première, on va partir dans cette direction. On traverse un petit peu la grotte. On allume la lumière. Donc là, ça se passe dans une crypte. Donc j'ai déjà réalisé. Là on fait attention à pas se faire mal. Donc je vous ai montré le point de départ depuis la sortie de la crypte. Ensuite on continue par là. On patauge un peu dans la boue. Non, excusez-moi, on revient un peu en arrière. Alors là ça c'est une porte que j'avais déjà ouverte. On l'ouvre en faisant justement la crypte. Et de là, donc, on se faufile par cette ouverture et on va trouver la carte qui est posée sur un genre d'autel juste sur la droite. Voilà, ici. Et donc, cette carte va vous dévoiler différents points intéressants sur la jungle péruvienne. Pour la seconde, donc, on part d'ici, on monte les escaliers et on force la porte de cette petite maison, de cette petite cabane. Et on va trouver notre carte qui est tout simplement posée ici, sur la table. J'ai pas assez de place pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse mettre un gros pouce bleu. Tu peux aussi me laisser des commentaires car je les lis absolument tous. Et pour poursuivre ton visionnage, je te propose la dernière vidéo mise en ligne en haut à gauche ou celle que j'ai spécialement sélectionnée pour toi en bas à droite. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour ne surtout jamais rien rater.